voir les murs, ça peut toujours servir. En attendant, voyez son portrait. Michel, le bitume, il aime ça. Et pour aller voir son copain Ivan, de l'autre côté de la frontière linguistique, tous les moyens sont bons. Allô, ici Bonfil. C'est Michel. Oui, ah, Ivan ici. C'est Ivan? Oui, Ivan le terrible. Oui. Je vous présente monsieur Janssens. Non, Janssen. Janssen. En flamand, Janssen. Néerlandais, tu sais ce que c'est ça? Pour Michel, le pilote wallon, et Ivan, le copilote flamand, l'humour n'a pas de frontières. Ah, pour la Belgique, c'est la Belgique. Pour le coq et le lion. Allez, en route pour quelques-unes de leurs facéties. On la s'affoire déjà, on n'est même pas parti. On n'est pas parti, non. Malheureusement, la vitesse fait partie de leur spectacle. Il y a du bouche-terre là-dedans. Hein. Ici, il y a du radar. Je ne regarde jamais au radar. Moi, je fonce toujours. Et le copilote joue vraiment dans la même pièce. Ah oui, 70, hein, vieux. 70 à l'heure, hein. Ça tient la route, hein, la Peugeot, hein, tu vois, la route. Un peu ralentir parce que... D'ailleurs, nous avons eu quelques difficultés pour suivre Michel lors de ce tournage. Ils sont pas aussi fous que vous. Michel n'a pas de défaut sur la route. Je reviens parfois, je te l'ai dit, hein, de Bruxelles le soir, la nuit, hein, à 200. Hein. Tellement ça monte même jusqu'à 220. Je me suis arrêté, j'avais peur, à 208. Et qu'il est content de rouler dans une voiture convenable. Les voitures convenables, Michel, ça le connaît. Il possède une collection de bijoux impressionnante. Cette passion, il la partage avec une bande de copains qui, contrairement à Ivan, sont heureusement un peu plus mitigés et lucides sur la conduite de leur ami. Et on te regarde aussi parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on voit la moto, ok ? Il faut dire que Michel, parfois, exagère. Ivan est en aveu. J'ai même un moment eu l'occasion de faire arrêter la voiture parce qu'il avait besoin de faire quelque chose sur le côté de la route. Voici le code de la route façon Michel. Ici, une bande d'arrêt pour besoins urgents. Oui, oui, monsieur le producteur, il faut faire attention avec les vieux, parce que les vieux, ça devient bête, hein. Ah oui. Ce sont des vrais pilotes de rallye. On avait l'impression que son copilote devenait un navigateur et que régulièrement, il poussait le pilote à la faute. Klaxonne un peu, d'ailleurs. Non, il le sentira dans son derrière. On a l'impression qu'ils ne sont vraiment pas sérieux et sans doute au détriment des autres usagers. Et donc voilà, voilà la preuve. Ce sont de vrais gars. S'il est en vitesse, bon,